Martine et moi, ça va faire 7 ans. On s'est rencontrés à l'église, d'accord, lors d'une activité. Et puis, elle était là, bienveillante, souriante. Elle m'a marqué, hein, dès le premier coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne s'est pas mis ensemble tout de suite, d'accord. On s'est connus, on s'est fréquentés. Et puis, ses qualités... D'accord, on jouait sur la balance. Donc au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure qu'on se fréquentait, qu'on se parlait, et puis voilà, je me suis dit, c'est elle la perle rare. Et donc, je me suis lancé, parce que je ne me suis pas lancé quand on s'est rencontrés, hein. Je me suis lancé un peu après. On a commencé notre relation un peu, avec beaucoup d'embûches, hein, de part et d'autre. Et à un moment donné, je me suis dit, il n'y a plus rien à chercher ailleurs, c'est elle. C'est elle qu'il te faut, c'est elle qui te convient, c'est elle qui sait te garder, c'est elle qui sait te parler, c'est elle qui te supporte. Et ça m'a beaucoup marqué, alors je me suis levé un matin. Avant d'aller au travail, je lui ai dit, eh ben, écoute, je t'emmène chez le maire. Tu es celle qui me faut. Tu es celle qui me connaît. Tout à l'heure, devant le maire, je vais réitérer ses propos. Et j'ai envie de te dire merci pour la femme que tu es. Merci pour la mère que tu es. Merci pour la protectrice, pour la jeune fille aimante, douce et pleine de grâce, que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime. Armand et moi, on s'est rencontrés à l'église, contre toute attente.
Au départ, je ne le calculais pas du tout, mais il s'est avéré un homme très combatif, un homme très persévérant et je pense qu'il m'a complètement conquise. Ça a mis quelques années, nous sommes ensemble et voilà, il m'a fait la merveilleuse surprise de bien vouloir me demander ma main. Donc je suis très honorée de bientôt, dans quelques instants, devenir Madame Ba. Alors à lui, qu'est-ce que je peux lui dire? Premièrement, merci. Je vais pleurer parce qu'il est très patient avec moi et il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Au-delà de toutes mes imperfections, il ne regarde pas tout ça, il fait très attention à moi, il prend vraiment tout le temps qu'il faut pour moi. Donc c'est vraiment ce que j'ai à lui dire, je t'aime chérie, je t'aime aujourd'hui, demain et là-haut par ses lois. Got my heart, no. 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 Got
conseil municipal de la commune de Libreville, je souhaite à chacun et à chacune la plus cordiale des bienvenues ici à l'hôtel de ville, notre maison commune. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour pour célébrer l'amour, mais surtout sceller la magnifique histoire d'amour entre deux merveilleuses créatures. Il s'agit de ce mignon monsieur, d'ailleurs très élégant habillé ce jour, nommé Marmont, que je vous demande d'applaudir très fort. Et de la plus charmante demoiselle, qui dans quelques instants sera une grande dame, Kumbat Bouyou Martine, que je vous demande également d'applaudir. Excellences, mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, il y a des personnes qui auraient souhaité être parmi nous ce jour. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. À la demande expresse des futurs mariés, je souhaite que l'on observe une minute de silence en mémoire de leur regretté disparu. Mesdames et messieurs, vous le savez, le mariage est un événement important, mais surtout un événement heureux. Et malheureusement, pour diverses raisons, il y a dans notre pays plusieurs personnes qui ne parviennent pas à prendre cet engagement de vie. Mesdames et messieurs, pour cette décision très importante, prise par ces deux charmantes et magnifiques créatures, je souhaite pour les encourager, pour les booster, qu'on applaudisse à nouveau très fort pour eux. Excellences, mesdames et messieurs, il y a une particularité, enfin un fait particulier ici à l'hôtel de ville. Mesdames et messieurs, toutes les fois que nous avons à célébrer un mariage et que l'un des partenaires, ou lorsque les deux sont soit originaires de la province du Wellington ou appartiennent au peuple franc, mesdames et messieurs, même s'ils sont de 5 dans la salle et qu'on leur demande d'applaudir, ça me donne l'impression que tout Libreville y est. Aujourd'hui, il y a plus de 5 personnes. Mesdames et messieurs, puisque je suis totalement convaincu qu'il n'y a pas de jaloux, je souhaite alors que l'on applaudisse à la dimension de l'événement. Nous allons donc célébrer ce samedi 6 janvier 2024 le mariage entre M. Mba Armand. Il est ingénieur, domicile à Libreville en République gabonaise, né le 9 septembre 1988 à Libreville dans la province de l'Estuaire. Il est fils d'Angozé Thomas et d'Atsam Anzélé Ebit. Monsieur Marma est de nationalité gabonaise d'une part et mademoiselle Kumba Bouyou Martine, conseiller commercial, domicile à Libreville dans la République gabonaise. Cette charmante demoiselle est née le 8 août 1994 à Libreville dans la province de l'Estuaire. Elle est fille de Bouyou Joseph et de Feu Matonga Hermine. Mademoiselle Kumba Bouyou Martine est de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier, les futurs époux ont fourni les pièces suivantes: 2 demandes de mariage, 2 copies d'actes de naissance, 2 certificats de résidence, 2 certificats médicaux prénuptiaux, 2 attestations sur le leur, une attestation d'option du régime matrimonial et une fiche d'hétéronome. Nous pouvons également trouver d'autres pièces jointes à ce dossier, notamment un avis de publication des bancs et un certificat de non-opposition. Excellences, mesdames et messieurs, la publication des bancs de ce mariage a été affichée à la porte de l'hôtel de ville de Libreville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Mesdames et messieurs, une bonne nouvelle pour les futurs mariés. Jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition écrite telle que le prévoit l'article 227 du Code civil gabonais. Cela sous-entend, Excellences, mesdames et messieurs, que c'est une relation qui ne souffre aucune contestation et que nous pouvons donc placer dans toute sérénité. Je souhaite à nous un tonnerre d'applaudissements pour les futurs mariés. Yes.
Ça, mesdames et messieurs, il est à préciser que M. Mba Armand et Mademoiselle Koumba Bouyou Martine, en bon gabonais, n'ont pas attendu le mariage pour avoir les enfants. Ils sont donc parents de nombreux enfants et je souhaite que l'on applaudisse pour tous ces enfants. Excellences, mesdames et messieurs, lors de l'entretien avec les futurs mariés, ils m'ont chargé d'être leur porte-parole. Le couple nous promet ce soir une grossesse jumellaire. Amen. Vous savez, chez nous, Gabon, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, pour un engagement aussi important, il y a nécessairement des témoins. Les futurs se pourront choisir comme témoins, en commençant par M. Mba Armand, M. Ndombekale Adelin. Il est cadre administratif, domicilé à Port-Gentil. C'est le très élégant ami d'enfance du futur. Et Madame Mbou Ousailatou Doriana Melza, elle est auditeur domicilée à Libreville. C'est la ravissante amie du Thomas. Et pour Mademoiselle Koumba Bouyou Martine, Monsieur Lick Biboué Obam Luther, il est cadre informaticien domicilié à Libreville. C'est le très slimé bel oncle de la future mariée. Et Madame Lick Biboué Obam Marie Gisèle, elle est cadre commercial domicilié à Libreville. C'est la ravissante tante maternelle de la future mariée. Excellences, mesdames et messieurs, nous signalons au passage que les futurs époux ont opté pour Monsieur va approcher. Choix. Ah, fais ton choix. Fais ton choix. Excellences, mesdames et messieurs, les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime de la commune. Monsieur Clairement craignait de se faire égorger. À présent, excellences, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la lecture des articles relatifs au mariage. Il s'agit de l'article 252, 253, 254 et 259. Article 252. Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Article 253. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants par l'établissement des CDA. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou au terme de violence peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants notre domicile. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles dont il est gardé. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action nullité lui est ouverte dans la partie du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. En cas de décès non conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Et enfin, article 259, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer.
Si le conjoint ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. Le juge peut prescrire au débiteur de l'époux défaillant d'effectuer le tout partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille en ordonnant des saisies sur salaire. Excellence, mesdames et messieurs, veuillez à vous asseoir. Excellences, mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous ai informé que les futurs époux avaient opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Aussi voudrais-je que ces derniers, de façon solennelle, et devant cette auguste assemblée, nous réaffirment cet engagement. Monsieur Mba Armand, maintenez-vous votre engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage. Oui, je maintiens. Mademoiselle Kumba Bouyou Marty. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, parce que lorsqu'il s'agit de la monogamie, la voix d'une future épouse, on peut l'écouter à 14 km. Quand il s'agit de la polygamie, on répond mal créé. Maintenez-vous votre engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage. Oui, je maintiens, monsieur le maire. Excellences, mesdames et messieurs, les futurs époux déclarent expressement et conjointement ce samedi 6 janvier 2024 qu'ils optent pour la monogamie, ainsi conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil gabonais. Le mariage que nous célébrons ce jour ne pourra être dissous que par la mort de l'un des conjoints, le divorce légalement prononcé, la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand il a été déclaré lui. Excellences, mesdames et messieurs, heureusement pour ce magnifique couple, tout ceci n'arrivera pas car leur amour est trempé dans le sang de Jésus. Monsieur Barman, quelle élégance! On sent un vrai estuélien. Monsieur Barman, levez-vous s'il vous plaît. Au ralenti, levez-vous. Est-ce que ça s'appelle? Les animaux. Monsieur Barra, retournez-vous. Alors, monsieur Barra, en tout cas, nous ici, nous avons de vos échos. Allez au fond de la salle en faisant le balai, revenez au magnifique. Et dans la danse, M. Barman a été très bien coaché par le ministre Michel Nicard. Monsieur Barman, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour la vie, la charmante demoiselle, nommée Kumba Bouyou Martine, ici présente, tout en lui promettant, monsieur, de la cajoler, de la chouchouter, de la caresser, de l'aimer, de l'adorer
et cela jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. Martine, à chacun son tour chez le coiffeur. Mesdames et messieurs, cette charmante demoiselle est originaire de la Nyanga. Tout comme moi, moi je suis donc originaire de la Nyanga, en partie bien sûr, de Boabi, je suis Badoumbi et petit-fils Moudjala. Et chez nous, dans la Nyanga, nous n'avons aucun concurrent en matière de danse. Nous sommes proches de la frontière. Nous sommes proches de la frontière. À l'Est-Suez, bon, ce sont les côtiers. Ils ont rencontré les Blancs. Et on sait comment les Blancs dansent. Mademoiselle, allez également au fond de la salle et revenez me dire une fois de danse. Chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jules Ibrahim Rapotombo, a été informé de la présence du ministre Michel Nengamesson à votre mariage. Le général a tenu à tout mettre en œuvre pour que cette célébration se tienne ou se célèbre, on risque de le répéter en toute sérénité. Je voudrais pour votre gouverne, mademoiselle, vous informer, puisque vous êtes originaire de la Nyanga comme moi et je ne veux pas que les problèmes vous arrivent. Ici à l'hôtel de ville, nous avons une unité de police, une unité de gendarmerie qui a été renforcée par l'unité des bérets rouges. Et donc il règne une totale sécurité ici. Vous êtes d'ailleurs informé que nous venons désormais au travail à 7h30. Mademoiselle, à l'hôtel de ville, il n'y a pas d'ambulance. Alors, vous avez vu comment M. Armand Mba a répondu avec promptitude. Désormais, l'assistance sera suspendue à vos lèvres après ma question. Mademoiselle Kumba Bouyou-Marty, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour la vie, le mignon monsieur, très élégamment habillé ce jour, bien coiffé, nommé Mba Armand, tout en lui promettant, mademoiselle, que malgré la rude concurrence, des beaux costumes et les belles voitures de Libreville, vous resterez à ses côtés, cela jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. Oui, je le veux, monsieur le maire.
Excellences, mesdames et messieurs, plus que les choses sont suffisamment claires entre l'estuaire et la Nyanga, au nom de la loi, je déclare M. Mba Armand et mademoiselle, ce sera la dernière fois, Kumba Bouyou Martine, unis par les liens sacrés du mariage. Au verset 31, je
je cite, après tout cela, que devons-nous dire d'autre? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Folle amoureuse de lui. Même si le maire, le jour où il m'a embrassé pour la première fois, mon amour pour lui s'est multiplié par 15. Car en matière de baiser, M. Mba Armand a un talent exceptionnel. Autour de M. Mba Armand de venir, M. le maire, ou de solliciter du maire, M. le maire, je souhaite que me soit accordé à titre exceptionnel. Au lieu de 30 secondes, comme il est de coutume, 3 heures de baiser avec moi. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'accorde à ce magnifique couple 5 heures de baiser. Dans les moindres rêves où tu vas te
Elles sont nombreuses à être en stage et certaines ne savent même plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, après 5 années passées en CDD, enfin votre CD. Monsieur Marmont, heureusement que nous sommes maintenant à l'ère de la transition avec le CTL. À l'époque, lorsque vous achetez un terrain dans le Grand Libreville, à Tanda, au Bindo et en tout, 2 jours plus tard, on vous dira que ce terrain appartient à d'autres personnes. Et parfois même certains Gabonais se voient être expropriés par vos frères étrangers. Monsieur Marmont, le seul document administratif qui vous donne les garanties de propriété, ce n'est que le titre foncier. Après les enquêtes de la NUTTC et celle de la conservation foncière, je vous remets enfin le titre foncier de votre parcelle. Monsieur et Madame Ba, lorsque 2 êtres humains se rencontrent, décident de s'étudier, 1 année passe, 2 années passent, et autour de vous, forcément, des sceptiques se créent. Alors, pour toutes ces personnes, et surtout pour votre magnifique couple, monsieur et madame Bat, j'ouvre vraiment officiellement votre certificat de mariage. Si vous avez un portail, affichez-le dans le portail. Si vous avez un salon, il va faire face à monsieur Bat, n'oubliez pas de faire plusieurs copies, 1 copie au travail, 1 copie dans votre copie. Pour que désormais, les amours viendront, la suite, vous la connaissez. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager. Ils ont joué. Excellence, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Il est de tradition qu'après la célébration des mariages, le maire prodigue quelques sages conseils aux jeunes couples. Mesdames et messieurs, aujourd'hui ce ne sera pas le cas, car monsieur Mba, en faisant référence au livre romain, notamment sur l'apôtre Paul, en disant que si Dieu est avec vous, il peut être contre vous. Alors je me suis tout de suite rendu compte que c'est un couple qui a confié son sort à Dieu.
le maître des temps et des circonstances. Et que donc, ça reste un couple inébranlable. Mesdames et messieurs, juste félicitez le couple par un tonnerre d'applaudissements. Félicitez surtout M. Marmont, mesdames et messieurs, qui en décidant d'épouser celle qui hier était sa concubine, a tenu en aura un double engagement, mesdames et messieurs. D'abord, par la première étape, le mariage avec Dieu. Le mariage avec Dieu qui, vous savez, en pays africain, en milieu africain, revêt un caractère hautement spirituel. Que vous soyez du Haut Togo, de l'Angouni, de la Nyanga, de l'Estuaire et j'en passe, il est dit dans la société traditionnelle bantou que si vous n'épousez pas votre femme à la couture, malheureusement c'est comme une maison sans porte et sans fenêtre. D'ailleurs, n'importe qui peut venir se servir, même si c'est l'équipe d'image, mais garde tout son sens. Car, Excellence, mesdames et messieurs, les éléments matériels qui vous sont demandés par votre belle famille vous confèrent en retour un certain nombre d'attributs de pouvoir, notamment dans le domaine de la protection de votre épouse, mais aussi et surtout de votre progéniture. Et comme vous le savez, c'est aussi l'événement par excellence qui permet à certains membres de la famille qui se regardaient en chien de faïence de fumer enfin le calumet de la paix. Au sein de nos familles respectives, il y a plusieurs personnes qui, pour diverses raisons, ne pouvaient plus partager un verre, ne se fréquentaient, ne pouvaient même plus s'appeler. Mais par le biais du mariage de la coutume, un miracle se produit et ces derniers, comme je le disais, décident d'entrer à l'âge de guerre. Mesdames et messieurs, parce que ce jeune compatriote, malgré la pression du modernisme, a tenu à honorer cet engagement hautement symbolique dans nos valeurs traditionnelles, je souhaite à nouveau un tonnerre d'applaudissements pour vous. Monsieur Ma Armand sort de la bonne école et les hommes de l'Estuaire savent bien faire les choses. Ils sont conscients qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Après la première étape du mariage à la coutume, aujourd'hui deuxième étape, devant par ma mienne connaissance et devant l'officier d'état civil pour boucler la boucle avec le mariage civil. Une fois de plus, pour l'homme de parole qu'il est, je souhaite à nouveau un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, par la même occasion, féliciter son épouse. Après 5 années de stage, vous savez, chez nous au Gabon, que vous soyez en concubinage, que vous soyez dans une situation de fiançailles, de fiancé, qu'il s'agisse d'une situation d'observation, toutes ces situations, mesdames et messieurs, sont considérées chez nous comme étant des stages. Et une fois encore, malheureusement, pour diverses raisons, il y a plusieurs demoiselles qui vont de stage en stage. Je dis bien pour diverses raisons. Après 2 années, 3 années, 8 mois de relation avec un homme, l'homme estime que c'est plus la femme de sa vie ou vice-versa. Et ce phénomène est observé. Cette demoiselle hier, mesdames et messieurs, qui est désormais une grande dame, durant toutes ces années, malgré les tentations, malgré les péripéties de la vie, est restée focus. Son choix a toujours été clair. Monsieur Mba, c'est normal, c'est une fille originaire à la fois de la Nyanga et du Haut Togo. Et là-bas, on ne fabrique que des femmes de valeur. Pour le père et la mère de cette dame, et pour tous les parents qui ont contribué de longue bras à cette très très bonne éducation, je souhaite qu'un tonnerre d'applaudissements soit fait. Nous mettons donc en garde tous ceux qui pourraient ou qui pourront, autant pour moi, nourrir des ambitions de destruction à l'endroit de ce couple. Car nous croyons à la loi du karma. Le mal retourne toujours vers son auteur. Celui qui fera du mal à autrui vivra la même chose, tôt ou tard, car tout se paye ici-bas. Alors si vous voulez être heureux, connaître la joie du mariage, soyez déjà heureux une fois de plus pour ce couple à la présence très fort. Monsieur et Madame Mba Armand,
Oui, maman, prenez le prénom de votre épouse. Vous êtes désormais marié. Vous avez librement aujourd'hui choisi de quitter définitivement en blanc au cadre d'adhésion au syndicat des célibataires pour rejoindre la famille la plus importante et surtout la plus sélective, celle des hommes et des femmes mariées. Alors, monsieur et madame Ba, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, monsieur Ba, Armand, ne soyez pas comme ces Gabonais qui, après le mariage, la femme devient la gardienne de la maison. Vous avez librement choisi, opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. C'est un choix. Moi, je suis polygame. Alors donc, la monogamie ne signifie pas avoir une épouse et 2, 3, 4, 5 tisards. La monogamie signifie avoir une épouse doublement optionnée. Lorsque vous la voulez en mode tisa, option tisa devient votre. Lorsque vous la voulez en mode épouse, option épouse, elle devient votre épouse. Il n'y a plus de restrictions. C'est désormais votre côté. Alors si vous allez en boîte avec votre épouse, au restaurant avec votre épouse, au snack avec votre épouse, parce que le dehors, monsieur Mbarman, il est très glissant, même si nous sommes toujours tous des victimes. Elles sont dehors, elles sont nombreuses. Avoir les yeux magnétisés, et ce marrant. Lorsqu'elle vous regarde, vous perdez le réseau. Et comme elle sait que vous êtes ingénieur, monsieur Marrant, tout le monde s'en met. Et pour lui prouver que vous êtes un homme fort, vous devenez donc un distributeur automatique. Le soir, en rentrant à la maison, votre épouse vous fait constater un certain nombre de manquements. Chérie, en tout cas, j'ai été épousée et nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Là, Dieu pourvoira à nos besoins. Pour l'instant, il faut serrer la ceinture, on attend la fin du mois. Si c'était le cas, monsieur Barman, désormais, ça doit changer. Dehors, ayez la réputation d'homme chiche, vissé, serré. Même lors de rendez-vous, ne donnez pas l'argent du taxi. Mais en rentrant à la maison, soyez un distributeur automatique de votre enfant. Dans mon village, chez nous les Badoumbés, au corps de garde, les vieux nous enseignent que le foyer, l'homme n'entretient pas le foyer qu'en donnant une femme, enfin, un bon toit, en faisant la cocotte, en lui faisant des cadeaux. Mais l'homme doit surtout honorer un engagement vital pour son épouse. Et cet engagement, c'est entre minuit et 6 heures. Pour qu'une femme soit épanouie, pour qu'une femme soit toujours souriante, monsieur Barman, travaillez entre les mains. Sinon, les enfants paieront les pots cassés dans la tête vilain de mon père. Enfin, ce sont les types d'interpellations. Alors, monsieur Barman, la nuit, à partir de minuit, ne dormez pas. Dieu va vous accompagner dans cette tâche. Madame Ba, vous êtes désormais épouse, plus demoiselle. Alors, le comportement d'une demoiselle est totalement différent d'une femme mariée. Le mariage étant un ensemble de principes et de valeurs, cela renvoie donc à des restrictions. Habillez-vous comme le souhaite votre femme. Parce que la libre vie aussi, ces femmes qui transforment parfois le foyer en camp militaire. Elle décide de se vêtir comme elle veut et parfois même se met à gronder son époux. Et d'ailleurs même, certaines femmes gabonaises ne s'inspirent pas de nos sœurs congolaises et camerounaises. La gabonaise, vous l'épousez, vous l'avez dotée, vous l'avez amenée à la mairie. En plein monde, elle vous appelle Dien qui vient ici. La camerounaise, la congolaise, papa Ba. Papa Armand, la Gabonaise, c'est comme si c'est... on est en guerre. Donc soyez une femme douce. Embrassez surtout votre belle famille. Et n'y allez pas en tant que belle fille. Car madame, si vous y allez en tant que belle fille, vous trouverez au sein de votre belle famille des belles sœurs, des belles tantes, des belles mères. Et comme nous sommes Gabonais, tôt ou tard, ces dernières deviendront pour vous des rivales. Mais si vous allez en tant que fille, vous trouverez des sœurs, des tantes, des mères, et vous verrez votre intégration sera plus facile. Embrassez votre belle famille comme votre famille biologique. Vous prenez une femme, vous croisez une femme à Libreville.
Elle est belle, à base de gabilas, brésilienne à la tête, parfois même lentille, toujours bien stylée. Vous l'amenez à la maison, 2 années plus tard, elle décide elle-même de changer de style de cabanon pour le bail des civils à la tête. Bon, ce sont des styles, mais le dehors est très glissant. Toujours belle et coquette. Madame Bab, le dimanche, vous ne travaillez pas. Ne sois pas comme ces couples le dimanche. L'époux, l'épouse est au salon à 7h en train de changer de chaîne sur la télévision. Un couple qui s'aime le dimanche est fait pour le rappel, on sort de la chambre à 14h. Tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine, on le fait le dimanche et on reste en chambre jusqu'à 14h. Levez-vous très tôt, madame, mettez-vous en boxeur et embrassez de préférence couleur rouge ou rose. Apportez à votre époux le déjeuner, le petit déjeuner ensemble. Faites-lui des câlins. Mettez la musique que vous aimez et vous verrez lui-même mettre son téléphone en mode avion. Un homme qui demande son téléphone n'est pas en mode avion, c'est que vous n'avez pas encore sécurisé le périmètre. Le dimanche, même moi qui suis polygame, quand je dors chez ma première femme, le dimanche je mets en mode avion. Quand je dors chez la deuxième, le dimanche je mets en mode avion. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prendre soin de son foyer. Alors mesdames, si dans cette salle, il y a des demoiselles qui, pour diverses raisons, n'ont jusqu'à ce jour pas rencontré l'âme seule, ou sont dans des foyers en concubinage et dont les hommes n'ont pas l'intention de les amener à la mairie, je souhaite que le Saint-Esprit investisse cette salle afin de briser en chacun, en chacune de vous l'esprit de célibat, pour que très rapidement vous fassiez les bonnes rencontres et que vous puissiez vous marier comme monsieur, madame, maman. Attention, chère demoiselle, j'ai pour coutume de dire: la beauté amène au foyer, mais c'est le comportement qui amène à la vie. Si vous comportez bien, l'enfant de Dieu vous amènera à la vie. Mais si vous comportez mal, il n'y aura pas d'autre choix qu'à changer. Mais si ce garçon ou ce monsieur vous garde en concubinage depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et il ne termine pas avec cette leçon et ce chapitre, que le Saint-Esprit aussi vienne vous enlever le griffe, les griffes de ce dernier qui ne pense pas vous amener à la mairie. Et vos hommes lui-même, les filles du Haut-Togo, les filles de la Nyanga rencontrent un fils de l'Estuaire ou vice-versa. Mais il faut qu'on remplace. On a pris chez nous, on doit prendre aussi là-bas. Mesdames et messieurs, je souhaite donc à chacun et à chacune un bon retour. Je sais que la fête de tout à l'heure sera belle parce que l'ingénieur et son épouse ont dévalisé tous les prix importés de leur champagne. Donc la soirée tout à l'heure s'annonce à l'apothéose. Je vous remercie. Reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. Baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crashes.
et les autres noms parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui gère les temps, les circonstances, les moments, les époques, les années. Tu es celui qui gère et commande nos vies. Seigneur, nous voulons véritablement que tu viennes être le maître en ces lieux, que tu viennes être le maître en ces instants, comme tu l'es pour Armand et comme tu l'es pour Martine. Merci Seigneur de bénir ce couple, de bénir Seigneur leurs enfants, de bénir Seigneur ce qu'ils ont préparé pour nous, pour que nous puissions le partager avec eux. Nous voulons t'élever comme le seul et unique qui a autorité et qui prononce, Seigneur, les paroles que nul homme, que nulle puissance, que nulle principauté ne peut dévier. Car Seigneur, lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Que lorsque Seigneur, tu as ouvert la porte du mariage pour Armand et Martine, Seigneur, aucun homme, aucune puissance ne peut s'y opposer. Soit celui qui règne éternellement dans nos vies, soit celui qui règne éternellement dans ce pays, soit celui qui règne éternellement dans le monde entier. Et règne, Seigneur, comme étant le maître de ce dans notre foyer, à toi l'honneur, la puissance et la gloire de tout le peuple béni. Amen. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim girl, don't got nothing on you. Don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that. It may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. Yeah, nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. Your night, like cocoa, your night, like cocoa bread. Like cocoa bread. Oh, your nice, like cocoa, your night. Watch a movie, right by your side on duty. Not too much or too sweet. Ooh, passion from yours truly. Let me know how you feel. Open night.
capturer l'évangile de l'homme, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, on ne coupe pas. Monsieur, madame, là, face à face, s'il vous plaît. Coupez-vous face à face, yeux dans yeux, face to face. Alors, moi, je serai comme vos parents et amis. Aucun espace entre vous, s'il vous plaît. Collez-vous, mais ne vous embrassez pas. Monsieur Bar, admirez votre femme pour elle est belle. Contemplez-la. Waouh! Mesdames, messieurs, certains parmi vous n'ont pas eu l'occasion d'être à la mairie aujourd'hui. Nous allons vous laisser revoir ce geste qui a symbolisé la réunion devant l'officier d'État civil. Mesdames, messieurs, je ferai un décompte de 3 à 0. Ensuite, on ira tous vivre les mariés. Et les mariés vont nous offrir un baiser d'amour. On y va tous ensemble. 3, on reprend, on reprend. 3, 2, 1, 0. Le plus beau baiser du monde, mesdames, messieurs, avec la douceur. Merci. Merci, Dieu. Merci. Vous êtes les rois, les reines de cet événement, mesdames, messieurs. On va faire un standing ovation pour le roi et la reine de la soirée. Vous allez tout simplement vous lever, vous allez applaudir de manière continuelle jusqu'à ce que monsieur et madame m'assassinent. Ladies and gentlemen, standing ovation for Mr. and Mrs. Bam! On peut également pousser des cris de joie, mesdames, messieurs, pour cette vidéo. Merci. À tout Seigneur, tout en. Merci à vous, vous êtes formidables. Mesdames, messieurs, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Tout-Puissant. Je vais inviter maman Edith qui va nous gratifier de sa voix pour la prière. Mesdames, messieurs, applaudissements pour recevoir maman Edith. Nous allons bénir ces temps, ces moments, parce que le mariage est une institution divine et c'est Dieu qui institue le mariage. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons encore merci parce que tu es l'initiateur du mariage. Nous te bénissons pour ces temps, pour ces moments. Nous te disons merci pour le mariage d'Armand et de Marty. Seigneur, tu es le Dieu qui a commencé ce mariage et tu vas parachever ce mariage. Je prie dans le nom de Jésus que ce mariage soit entre tes mains. Je bénis ton Seigneur ce soir parce que tu nous as réunis dans ce lieu pour célébrer ce mariage. Nous te disons encore merci. Nous bénissons ton Seigneur pour toutes les personnes présentes dans ce lieu. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour le repas que nous allons partager ce soir. Merci pour les mains qui ont préparé ce repas. Nous te disons encore merci pour ces temps, pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, maman Edith. Need your reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. You came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Oh, 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 oh. A light storm.
touching on some kind of high. You're painting scenes on my storyline, so carry me where you like. I'm used to taking cover under my skin. Wow, vous êtes formidable. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on dira plus la famille de l'Armand, on dira plus la famille de Martine. Car désormais, vous n'êtes qu'une seule et même famille, c'est ça ou c'est pas ça? Alors là, tout de suite, je vais demander à toute la grande famille du couple Ma. Prenez vos mouchoirs, commencez à agiter. On va mettre une belle ambiance dans la salle. On va agiter pour les mariés une fois. On va agiter pour les mariés deux fois. Et on pousse les cris de joie. Thank you.
Applaudissements pour le retrait de monsieur, madame.
Bar pour un petit moment. Thank you.
Merci d'applaudir bien fort pour Aimé, l'homme à la guitare. Waouh! C'est bon, c'est bon. Il nous a transportés, il nous a amenés. Bonsoir tout le monde! Thank you.
Yeah.
Maintenant, alors que le mariage est retransmis en direct sur Africa 24, Gabon 24 et toutes les chaînes à 24, la planète en direct connectée ici au premier mariage de l'année 2024. Regardez le public magnifique, ici et maintenant, chacun. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night. And I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin. But I wanna step outside and take it all in. Cause baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Oh, 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 oh. A light storm. Touching, I'm on some kind of high. You're painting scenes on my storyline, so carry me where you like. I'm used to taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. Cause baby, it's like a light storm to be yours. Finding freedom in the downpour. You're like a light storm, a light storm. Like a light storm to be yours. Feelings flooding through the front door. You're like a light storm, a light storm. Baby, I'm better.
appelé, c'est pas ton nom. Voici le témoin lumineux. Plus jamais vous ne serez dans les ténèbres. Le couple merveilleux, le couple honnête. Assez pas. Une pièce contre réalisée par Fortin Rue, par Denis Rue. Pascal, le photographie. Voilà, devant parents amis et connaissances, le témoin qui n'a pas besoin de carton d'invitation, mais qui est présent à tous ceux qui sont venus de ce genre. La coupe.
Ça ne se passe qu'une parmi leurs corps carrés. Wow. Yes. Alors maintenant, on va inviter le couple à poser avec vous allez poser le gâteau. Avec le gâteau. Vous allez regarder l'appareil, cette belle. C'est beau. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout. Tu regardes. Communiqué 001. Barre 6 janvier 2024. Selon les articles 119 et 223 du Code civil gabonais, je vous présente officiellement Monsieur et Madame Ba, qui rentre dans le panthéon de l'histoire du mariage civil au Gabon. Peuple gabonais, uni dans la concorde, c'est enfin notre essor dans la félicité. Applaudissements. Et oui, c'est enfin notre essor vers la félicité. Dans cette même dynamique, ils vont se mettre face à face. Voilà, le regard face au regard. Les yeux dans les yeux, le cœur face au cœur, alors qu'il l'avait invité à lui sortir un menu de feu de manioc, tel a été le point de contact. Ça se fera avec un homme aimé, l'homme à la guitare. I found a love. C'est pas les choses du quartier.
Thank you.